Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
La louange
l'ange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Parole du Seigneur, soyez-vous. Nous allons rentrer dans la partie musicale de ce soir. Nous allons ouvrir cette session avec les enfants de l'Église évangélique Dernier Temps qui vont interpréter un morceau sous la direction de Soto Nicker. Capable, fait toute bagaille pour moi, pas plaisant.
n'a pris l'antenne. Pas j'en découragerai, n'a pas les paroles bondées. Thank you.
Oh.
et après, voilà, tout de suite après, nous clôturons cette partie avec les futurs diplômés qui vont chanter à la gloire de Dieu. Amen. Il faut prophète dans le monde entier. Prophète ça y est, connaît y est des beautés. Je dis tout le monde va mourir vers des saints. Moi-même, je ça c'est menti. Jésus, c'est roi des rois. Jésus, c'est seigneur des seigneurs. C'est lui qui a décidé. Après, il n'y a pas qu'un autre encore. Ou même gros milliardaire, ou qui sauve la vie dans la lune, parce que ou qu'est la chance, ou pas la prendre. Jésus c'est roi des rois, Jésus c'est seigneur des seigneurs, c'est lui qui a béni, après il n'y a pas guéri à la mort. Ou même si malheureux, ou qui sauve la station Babylone, parce qu'on parle de Jésus. Jésus c'est roi des rois, Jésus c'est seigneur des seigneurs, c'est lui qui a béni, par le roi. Ou même si t'es lié, ou qui sort par la lettre de Dieu, c'est Jésus pour la vie, car ça sera le Jésus. Jésus c'est roi des rois, Jésus c'est seigneur des seigneurs, c'est lui qui a béni. Jésus, c'est roi. Jésus, c'est roi. Jésus, c'est roi.
I graduated.
très très content parce que m'a changé les moi créatif moi-même. I was all alone. C'était beaucoup de moi. I didn't have a group with me. Parce qu'un groupe mon avec moi. It was in a prison cell. Et les femmes étaient en prison. It was a correspondence course. Et c'est son cours par correspondance qui me dit. I opened up the envelope. Ouvert l'enveloppe là. And it said congratulations. Et dans l'enveloppe là, en prenant ma cellule prison avec vous. That's why I'm so blessed. Félicitations. I'm so blessed and happy to be with all of you today. Et c'est ça que fait nous-mêmes gardiens, moi content pour moi avec vous aujourd'hui. In Psalm 34:19, Psalm 34:19, many are the afflictions of the righteous. Il dit que en pile affliction pour mon juste. But the Lord delivers them out of them all. Et bon Dieu délivre dans toute bagarre. Every one of us here have been afflicted. En pile nous tous qui là avons affliction. And the graduates that are here today, et tous nos graduates aujourd'hui là, was an engineer just going. Et c'est pas trop facile de utiliser ta patente dans l'école. For me, it was easy. I was locked up in prison. I knew my correspondence. Pour moi-même, c'était facile parce que j'étais en prison et je m'en faisais par correspondance. They have a family. They have work. They have responsibilities. Regardez, ils ont considéré qu'ils ont une famille, ils ont besoin de soins, ils ont un travail, ils ont des responsabilités. So, I really, really appreciate all that you've done. Et vraiment apprécié tout le travail que vous faites. But this is not the end. C'est beaucoup la fin. This is just your beginning. C'est une fête commencée. The reason why I chose Psalm 34:19. Le raison pour moi choisi Psalm 34:19. It's because you're going to be afflicted. C'est parce que l'affliction qui a pris sur vous. Psalm 119:69 says. Psalm 119:69 dit. Before I was afflicted. Il dit avant que moi j'étais affligé. I went astray. Moi t'ai gaillé dans mon temps. Then Psalm 119:71. Et Psalm 119 verset 71. It says it is good. Il dit c'est bien. That I have been afflicted. C'est ça que j'ai affligé dans quelques moments. That I might learn thy statutes. Afin que je sois capable d'apprendre les sentiments. I grew up in a family. My father was an alcoholic. Moi j'ai élevé dans une famille. Papa c'était alcoolique. 5 sisters, 1 brother. Moi j'ai 5 sœurs, 1 frère. And because of our anger towards him, à cause de colère nous avons nous-mêmes, we all went the wrong way. Colère nous avons contre papa, nous tous gaillés dans mon drugs, alcohol, crime. Et nous fait drogue, nous fait alcool, nous fait crime tout. And I got sick. Et moi j'étais affligé. 5 years old. Même si j'ai 5 ans, a boy pushed a rock on my head. Et quand le petit garçon frappe mon roche dans mon tête. I was in a coma for 3 days. 12 years old, I fell under the ice. I went through the ice. Et même quand 12 ans, moi tombé en bas en neige, en glace. This girl that was there, she came and she picked me up by my hair. Et quand quelqu'un était là, il me prend mon cheveu et il me dit en bas de la glace. Today she would have used my nose. Et aujourd'hui, what's the joke? Okay. Today you would have to use my nose because I have no hair. Je dis en bas de la glace, ils disent moi parce que moi j'ai 16, you've got a car accident. Let me guess, I'm going to pass in the machine. The car flipped over 3 times. The machine has been viewed for a little more than 3 times. 15 stitches, broken nose, 3 cracked vertebrae. Et me dégonfle quelle fraction, dans toute protège, même si j'ai gagné une fracture. 26, I got shot. Let me get 26 ans retiré. I got 1 bullet in my arm, 2 bullets in my chest. Et moi, j'ai gagné 2 boulettes dans l'estomac, et puis 1 boulet à l'ombalgue dans le poing. You think that would make you stop going the wrong way? Et est-ce que vous pensez tout bas, ça vous donne pas qu'à faire m'arrêter pour m'attaler dans le vieux que vous avez eu? I was angry at my father, that was. Et vous avez fait ce tout, puis jusque là, vous avez colère contre papa. We don't do what we're told. Nous avons commencé à ne pas faire ça, nous faisons vraiment. But we will see. Nous faisons ça, nous. My father would tell me, do this. Papa me dit dans nos voies, il a dit, tu fais ça. I didn't know what he told me, I didn't know what he did. Et moi, pas de faire ça, je dis, tu fais, mais je fais ça, moi, le fais. In Proverbs says, train up a child. Et Proverbs dit, nous, élevez-tu, nous, in the way that they will go. Dans le jour où ils allaient. And when they're old, they're living in the they will not be fine. Your pap sauts in the motion. That's why you young guys are so blessed. Et c'est ça que nous-mêmes, qui j'aime dans ça, là, nous, vraiment bénis. Because you don't have to have all that garbage in your brain. Ou pas obligé qu'il y ait toutes vieilles mauvaises actions, ça, dans la tête. The garbage the world throws at you. You're blessed here in church. Nous bénis de ce que nous
seigneur pendant me changer homme dit non homme de Dieu m'a pris la Bible étudier théologie et puis vous avez même pas écouté pas de moi et puis c'est pas recevoir. I didn't know how to stay away. I got two boys with her. Et par contre comment m'a fait rester loin de lui-même parce que vous avez une petite garçon avec. So I went to a church and I found a pastor. Et m'allez dans l'église à chercher aide pour un jeune pasteur. And I shared the problem that I had. Et puis moi bah parce que vous avez un exemple moi. He gave me wisdom. He said stay away. Il dit vous savoir pendant le moment qu'on s'y campe loin. I didn't know how to stay away. Et moi-même pas ouais qui j'aime pas camper loin. I went to go see my two sons. M'allez pour m'allez le petit garçon du. He was there with his arm around her. Et il était là avec bras passés dans mon maillot. I lost my control. Pull my feet up. Et moi, perdu le contrôle moi-même pour me battre. She jumped. My wife jumped on me. Et madame m'a sauté sur moi. He pulled out a knife and stabbed me, the only kidney that I had. Et c'est mon seul kidney qui était et madame m'a beaucoup trouvé dans le kidney de moi. And I really lost control. Il a laissé vraiment perdu le contrôle. My brother was with me. He was a heroin addict. Et dès qu'on fait un peu tard avec moi, monsieur son ami dans le type de l'unité, mais comme ça. 10 years he was on heroin. Et dès qu'il y a 10 ans de ça, c'est dans le bois avec du long gros, non. He jumped on me, he said, thank you, you're going to kill him, so I stopped. Et puis, vous voulez la mitra, nous, qu'il y avait des voitures, et si vous voulez avec Adam, là. We got in the car, this, and God performed a miracle. Et ça a arrivé jusqu'à avant que nous nous accèdons à l'unité, là. It was a 15-minute ride to the hospital. J'ai gagné vraiment 15 minutes pour arriver dans l'hôpital de Pipoya. He wanted to go to the hospital, I want to go home. Yo voulait, alors frère, non voulait m'aller dans l'hôpital, moi-même c'est la carrière d'aller m'aller ma blessure. Because blood was pouring out my back. Parce que j'ai un instant qui a sorti dans l'eau. I'm not going to the hospital, I'm going home. Pas mal l'hôpital, moi je vais aller. He turned the block, one block. Il m'a tourné en quartier. And we were in front of the hospital. Et puis c'était une ligne de l'hôpital. How we got there, I don't know, God transported, that's all I know. Alors, je ne veux pas m'en connaître, mais je suis capable de dire que Dieu fait une transportation. When I went in, the doctor said, what happened? This is the first time I intentionally lied since I got saved 4 years before. Nous venons à l'hôpital, le docteur m'a dit que ça coupait. Donc, pour que vous parlez de vous convertir, vous avez dit que c'est pour que vous parlez de vous mentir depuis la même chose. I told him, somebody asked me for a cigarette, I told him he lost any stabbing. Et quand il y a une histoire d'aller, ils sont venus demander une cigarette, bah, aller, il y a une cigarette. But these are the things that happen when I come from Bridgeport, Connecticut. Et c'est ça qui vivait la soutien en zone de l'étiquette dans Bridgeport. 5 minutes later, the heat came. Et 5 minutes après, he said, you're under arrest for assault. Et c'est comme ça que vous disparaissez, vous dites que vous êtes en bas d'arrestation parce que vous avez fait violence. So, the next day, the first police officer that had me under protective custody. Et le deuxième jour, le police officer qui était en prison. His name was Charlie. He belonged to an organization, Cops for Christ. Non, monsieur, c'est Charlie, mais monsieur était fait partie d'une organisation qui était policier pour Jésus. Many are the afflictions of the righteous. Et comme vous êtes tous, afflictions, justement, sont pas qu'elles afflictions de Cachemire. But the Lord delivers us. Amen. Amen. I went to court. 30 years they wanted to give me for habitual offender. 30 years. La mouvi na tribunal, jizan vi bam 30 ans de prison. My lawyer took it from criminal court into domestic violence. Et kou na avocat na la descend ka mwen soti na criminel pou ki sa ta an domestic. I got a suspended sentence. Et c'est comme si que me senti son mandat toujours. Man, there's no way only God can do that. Et de façon que vous êtes là, la situation de là, c'est bon Dieu seul qui connaît et qui a été dit. 14 arrests, 9 convictions, 13 years in prison, I get a suspended sentence. Et nous gagnons 14 arrestations, un paquet d'entrées sorties dans la prison, les finis en total de 30 ans dans la prison. When my brother, my sisters, and my children, I have 4, 3 boys and 1 girl. Là, nous gagnons 3 garçons avec Fouemna. When they saw that I was released out of et là où plus tout passé ça au gain hein et puis là nous dans situation de tomber à peu près comme si on va laguer nous pour nous fuir. That's when they saw God is powerful and God is good. Et c'est là ça réaliser que bon Dieu marche avec nous, bon Dieu t'a marché avec nous. And one at a time. They all came to Jesus. Et c'est mon Dieu qui est puissant et c'est mon Dieu qui a l'amour. Et à cause ça il y a une après l'autre qui commence à convertir. Amen. The first one, the last one, excuse me, was my mother. Et dernier mot qui était converti dans la famille, c'est ma maman. She goes, I don't want to change my religion. Et moi, je connais que je dois changer de religion. Mais je ne sais pas, il va me dire Jesus, non religion. Et il me dit, non, non, c'est pas
gagner les conséquences du péché. The Lord forgives us, he cleanses us, he washes, makes us white as snow. Yeah, les bons dieux lavent, les bons dieux pardonnent, ils lavent, ils ont pris la neige. But the world, the law, it'll be. Mais la loi, le monde va rien plus. I've been in Canada 20 years. Et depuis le Canada, on y a depuis 20 ans. Next month, I will go to be sworn in. Oh, Canada. Et moi, quand je suis là, je suis citizen Canada. It took 20 years to get my citizenship. Il faut 21 ans pour me faire 4 citoyens canadiens. Because of my past. À cause de ma passé. Now I have 11 grandchildren, 2 great-grandchildren. On y a 11 petits-petits et 2 petits-petits-petits. But I don't see them. Même pas les I see them by Skype. Moi, je suis dans un computer internet. I talked to the mother's cell phone. Parlé avec maman sur le téléphone. These are the consequences of the sins that we commit. Et c'est à cause de tout problème dans le premier qui fait que nous viens m'accorder des petites. So what do I do? Donc, qui s'en va vous faire? I do the best I can with those that are here. Mais vous n'avez fait le mieux avec ça aussi pour continuer. Amen. I work at the Second Chance Cafe. Moi, quand je suis allé à l'Algérie, mon Second Chance Cafe, c'est mon petit. I love everybody that comes in. C'est un côté où nous mangeons fruits, où nous mangeons tout le monde. I think it was in the 70s, there was a song. Et moi, je crois qu'en 1970, c'était mon chantier. If you can't be with the one you love, chantier de dire, sous avec moi, vous m'aimez. Love the one you with. Vous Amen. Amen. So that's what I do. And as of today, we have 420 people, men, women, children, that have accepted Jesus Christ. Et à cause du café, deuxième chose café, ça a vu rien dans la Bible. Mais presque plus de 421 000 personnes ont accepté Christ à travers. The Lord uses me most effectively with drug addicts and alcoholics. Et bon Dieu a utilisé avec un peu de grâce, avec nous qui ont un problème de drogue, de l'alcool. And in deliverance, in casting out demons. Because I had encounters with spiritual forces. I was a slave to the devil, and I didn't know it. Now I know Jesus. I'm going to be bold, crazy, and wild. Because I know him, and he knows me. Parce que moi, je suis Jésus, je suis connu. And now God loves me. Bonjour, aimez nous. One more verse, I'm going to share. Et bon, on dernier verset, nous t'avons partagé avec nous. John chapter 14, verse 27. Et Jean 14, verset 27. Jesus said, Jésus dit, let not your heart be troubled. Pas qu'il était troublé. Now, I'm a Christian. Qu'on y a besoin de chrétien. Driving on the highway last year, a big trailer truck hit me in the back. The car goes flying. When I was young, I used to call Mom. I called my boss, my mafia boss, if I needed help. I said, Jesus! 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 Car spun around, another car hit me, sent me flying. My car, his car, total, completely. Not a scratch. Not on me, not on him. He was a little older guy. He was like this guy who was scared. So I went over, I said, sir, you all right? And he looked at me and said, he's always in the hospital. Maybe he only speaks French. Jean-Paul, Tuesday night we have a Bible study.
When the weather is good, we go outside, right on the sidewalk. 15, 20 chairs, you put them right outside. Et 50 chaises comme ça, nous mettions autour de là. And the Muslims come by. Et les musulmans font passer. And they're looking at you, they don't like it. Yeah, ils regardent nos gens, ils vont voir ça. But we have 12 of them there at the church. Mais nous avons 12 musulmans pendant que les gens de la région ont fait un climat, c'est plus comme les musulmans. You gotta fight the good fight, friend. Vous devez pas le combattre, vous devez combattre la foi. Let not your heart be troubled. Pas qu'il soit troublé. Now you're beginning. Every one of you have already benefited in your life. I know. Now the war, but the battle starts. I just want to encourage you. Use the word of God. Use it every chance you get. All the books in the world are information. Tout le livre dans la vie, c'est information que vous avez. This one here is for transformation. Mais la Bible, ça montre que là, c'est une transformation. Romans 12, verset 1er. I beseech you, brother, by the mercies of God, to present your body holy and acceptable unto the Lord. Et moi, montrez-nous pour nous, à propos de Paul, montrez-nous pour nous présenter tête nous comme offrande qui est agréable et acceptable à Jésus. And be ye not conformed to the world. Et pas conformé nous dans présence siècle ça. But be transformed. Mais soyez transformé. By the renewing of your mind. Par la façon de penser par l'esprit de Dieu. And that only happens when we stay in the Bible. Et ça nous donne la capacité de nous rester dans la demeure de la parole. Any book you read, oh that's good, I got some information. N'importe quoi que vous lisez, what the old book, bon, quelque information qui a sorti. But when you read this book, mais lors les Bibles ça va parler là. Psalm 119:110. It says the word of God. Il dit que la parole de Dieu is a lamp to my feet. Son lumière sur le sentier. It shows me where I'm at, what I'm doing, who I am, where I'm going. Il montre qui mon moyen côté me parler qui ça m'a fait côté m'a brûlé. Then it says it's a light unto my path. Et lui dit encore non seulement ça, ils sont lumière sur le sentier m'a montré où je dois aller. Only the word of God was that Jesus. He shows me where I'm at. Et sa parole là, c'est Jésus même parce que montrer pour des biens. Et il montre pour des biens. Il montre pour des biens. When I call your name, would you stand up? L'aimer les noms de Dieu, la famille. Gino Joseph. Gino Joseph. Gina Philistine. Gina Philistine. Marie Rose Cleopatra. Excuse me for my pronunciation. Marie Rose Cleopatra. Just Mirland Simon Bolli. Mirland Simon Bolli. Suze Innocent Pierre. Suze Innocent Pierre. Job Telisma. Job Telisma. Julio Bucard. Julio Bucard. Martin Gentil. Martin Gentil. Clamel Gentil. Clamel Gentil. And the other one is in Dominican Republic. So we want to congratulate you and honor you.
amis, aujourd'hui nous témoignons à la graduation d'un cours intensif biblique et théologique. La Bible est une science merveilleuse, c'est la science de Dieu. La lecture de l'Esprit vivifie, dit la Bible. L'école biblique et théologique de l'Église évangélique du dernier temps peut seulement enseigner la lettre, c'est-à-dire la parole de Christ. Il y a également le niveau des choses cachées de Dieu, Deutéronome 29-29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. L'apôtre Paul, de son côté, a déclaré, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Et alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, et alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Donc, en réalité, le niveau des choses cachées s'étend sur trois points : la révélation, l'illumination, l'inspiration. Et aucune école sur la terre ne peut enseigner ces degrés, ils viennent directement de Dieu. Psaume 119, le verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. De Timothée 3, 16 et 17, l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Le secret de la vision de Nebuchadnezzar. La statue fut relevée au prophète Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, l'éternité et l'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Et enfin, pour ne citer que cela, dans 1 Roi 3, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Accorde à ton serviteur, répondit Salomon, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, c'est ça que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Selon Actes 2, verset 28, tout chrétien a un don spirituel de Dieu. Et si nous trouvons deux grandes catégories, les dons de leadership, Éphésiens 4, le verset 11, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. La deuxième catégorie, les dons de fonctionnement dans 1 Corinthiens 12, telle qu'une parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le discernement des esprits, etc. Mais il faut toujours une formation adéquate pour exercer ce ministère. Alors, la Bible veut que nous exercions ces dons sur l'analogie de la foi. C'est ce que le Saint-Esprit permet. 1 Corinthiens 12, verset 6. Enfin, l'école biblique et théologique de l'Église évangélique se vertue dans cette œuvre à former des gens qui, à leur tour, doivent en former d'autres. De Timothée 2, verset 15. Nous déclarons ces étudiants vont bientôt graduer en théologie et ce diplôme les délivrer pour valoir et ce que de droit. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. De l'école biblique et évangélique
printemps comme en hiver, on est toujours là aux forces. Et notre objectif, ce n'est pas autre chose que de transmettre la parole de Dieu. Donc, la raison pour laquelle nous avons un tel objectif, nous autres, Pasteur Berry et moi, nous avons en fait les principes Pasteur Daniel Dombier, nous avons ça en fait comme habitude. Chez nous, on a dit, donc c'était notre habitude de partager la parole de Dieu sans un sou. Au contraire, nous dépensons des sous. L'objectif principal, c'est d'aider les gens à comprendre la parole de Dieu et à être capable de transmettre cette parole à tout et chacun. Donc c'est une des raisons pour laquelle nous avons eu pas mal d'événements difficiles tout au long de notre ministère. Les gens qui sont plus proches de nous sont au courant de quoi s'agit-il. Mais nous resterons fermes. Nous resterons inébranlables. Nous travaillons très fort. Et nous ne relâchons pas. Aujourd'hui, je disais tantôt, c'est un grand jour. Un jour de succès. Un jour. Nous sommes contents, en même temps, tristes. Parce que les gens qui sont ici, ils vont garder encore de quelques minutes, ces gens-là auront leur diplôme. Ce sont des amis, des collaborateurs, des collègues. Et bien, des gens, nous avons cette habitude de communier ensemble, de vivre ensemble, de rompre le pain ensemble. Alors, c'est une raison pour laquelle nous sommes tristes. En même temps, nous sommes contents parce que les gens ont eu du succès. Par exemple, nous avons lancé Ginou Joseph. Je demande à la fête Ginou Joseph de bien vouloir approcher du public. C'est Ginou. Ça a été fidèle. En dépit des difficultés, tu as gardé ta persévérance. Aujourd'hui, on a ça, ton diplôme. Ça vaut la peine, ma soeur. C'est à toi. La Sergina Philistin. Ce que c'est, elle a eu une révélation. Avant même de prendre part dans notre école, elle a eu cette vision. Et vraiment, Dieu justifie cette vision, la vision que tu as eue. Ta couche, tu as eu une vision. Dieu justifie cette vision. Alors, en début de difficulté, parce qu'elle a un enfant, elle prend en hiver, elle amène son enfant à l'école biblique. Elle a passé du temps, elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais elle était patiente. Aujourd'hui, c'est le commencement, c'est pas la fin. Parce que le Dieu Tout-Puissant, en fait, il agit, en fait, il a, non seulement qu'il a la possibilité d'agir davantage pour toi, mais il est avec toi. Amen. Que le Seigneur, il prend ta bénédiction pour toi, ma belle. Votre persévérance dans le Seigneur. La sœur Rosemarie Cléophate, elle, c'est une révélation. Une révélation pour moi personnellement. Parce que quand j'avais parlé avec elle de notre école biblique, elle disait, parce que je ne peux pas, j'ai pas eu toute la faculté qu'il faut. Je disais à elle, tu es capable, tu as toutes les facultés. Et moi, je suis capable. Pourquoi tu n'es pas capable? La raison pour laquelle le Saint-Esprit habite en moi, et toi aussi tu as le Saint-Esprit, tu es capable. Amen. Elle a toujours une vision, une révélation, elle a toujours quelque chose à partager dans notre école. Donc c'est une raison pour laquelle je disais ici encore un peu triste. Ma soeur, bonne persévérance. Donc, tu as été pour nous une révélation, et tu resteras toujours une révélation. Que le Seigneur te garde dans ta volonté. C'est juste une fac.
répéter qu'il m'a invité dans sa vie. Donc, celle que nous invitons pour la terre, elle est là. On est plus difficile parce qu'elle travaille. Elle a eu, elle n'a pas eu beaucoup de temps. Mais quand même, elle a fait beaucoup d'efforts. Donc, ma sœur, c'est important. L'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est une servante de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur sera davantage dans ta vie. Il est correct, il comprend.
examen, là. Il était en train de faire son examen. Il était tout seul dans un bureau. J'ai dit, mais dans un bureau tout seul, en train de faire son examen. Et puis là, je lui donne, j'ai jeté un coup d'œil. Ça fait, en train de dire, il a la réponse, la première réponse bonne, la deuxième réponse bonne, la troisième bonne, la quatrième, je lui dis, non, ça ne vaut pas la peine de rester ici, je m'en vais. Oui. Donc, c'était un gars gentil. On fait son nom, c'est son nom, il est gentil, il est intelligent, il est correct. Alors, c'est peut-être du tout puissant, travailler davantage à l'œuvre du Seigneur. Et votre récompense est un plaisir du Seigneur. Pas entre nous-mêmes, mais continuez ton travail. Amen. Il est un bon enseignant, il est un enseignant des pasteurs,
que l'on sait la parole de Dieu. Nous avons eu pas mal de révélations sur le livre d'Apocalypse dernier. Oui, quoique nous sommes des dirigeants, nous sommes des pasteurs. Mais quand nous écoutons cet homme, nous sommes bien. Amen. Parce que ce n'est pas nous là, nous avec la parole, il donne la parole comme il faut. Ça vaut la peine de l'entendre. Amen. Si j'avais pas un bon enseignement, là, je n'allais pas perdre mon temps. Moi. J'ai trop de responsabilités, je suis sous la peur. Là. Mais c'est déjà qu'il en sait la parole correctement. Alors on ne soit plus les connaissances tant qu'il en sait la parole. Merci beaucoup, pasteur. Donc ça vaut la peine. Merci encore une fois. Nous avons des gens, par exemple, et les aides ici. Évangéliste, Cécile, et toi debout. Et toi debout, c'est des combattants. Là, ici, ça fait longtemps que nous sommes ensemble dans ce combat, combat évangélique. Alors, je suis fier et serviteur de Dieu d'être ton collaborateur. Merci de ta présence ici. C'est à une toi de vous. En fait, c'est une maman pour nous autres. Et l'église évangélique, c'est une maman. C'est une maman. Et elle est toujours là pour nous donner dans les bons et les mauvais jours. Dans les mauvais moments, elle nous donne des conseils. Des fois, elle disait, voilà comment on les choses. Parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle a plus d'expérience que nous dans certains domaines. Elle est là. Donc, nous avons les représentants de l'Église apostolique, de l'Église action apostolique. Il est là, c'est un ami. Il est là, malheureusement, le pasteur n'est pas là, mais lui, il est le représentant. Quand même, j'aimerais ça. J'entends ça. On est pas du monde. Donc, voilà. Donc, nous avons un ancien collaborateur aussi, pasteur Raymond Jean-Baptiste. On travaille ensemble. Et pasteur Gisoué, c'est mon collaborateur aussi. On travaille ensemble. Depuis plus de 15 ans, on travaille ensemble. Alors, j'avais été avec mes collègues, mes élèves là, de l'école biblique. Quand on enseigne la parole, faites attention à la doctrine. On ne prêche pas la doctrine dans une église de notre pasteur. Je l'avais dit, la raison pour laquelle ça fait 15 ans, je travaille dans cette assemblée chrétienne, c'est parce que la question de doctrine, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est la bonne nouvelle du salut. Amen. Pasteur, merci pour la bonne d'abord. Yeah.
à quelque chose l'année prochaine, eh bien, et le Seigneur agira dans sa fidélité. Amen. Nous sommes contents que le Seigneur vous bénisse grâce à vous. Sans vous, là, nous n'aurons pas de succès. Nous ne pouvons pas avoir de succès sans vous. Ça prend votre présence, ça prend votre assistance, ça prend votre participation. Oui, grâce à vous, après le Dieu Tout-Puissant, ça prend vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble sa bénédiction. Merci, merci, merci à vous. Amen. Il y a deux autres interventions juste avant de terminer. Il y a un hommage aux diplômés qui va être fait par le pasteur Jean-Pierre Daniel. Ça va être suivi du curriculum de l'école, pasteur Gary, juste avant la finalisation. Obligé de venir ici pour bien faire
mettre debout, madame. Comme vient de le dire notre pasteur, pasteur Sonier, je me rappelle avoir vu venir notre soeur, madame Sonier. Pasteur Sonier, j'étais en sa compagnie, m'a dit, oh, ma mère arrive. Ma maman arrive. Mais je lui ai dit, oh, parce que c'est elle qui prépare toujours le lunch de notre pasteur. C'est vraiment une femme responsable. Cette dame a dû tout abandonner pour que ce diplôme soit une réalité aujourd'hui. Donc, je profite de cette auguste et extraordinaire opportunité pour vous féliciter. Au nom du Conseil des Canards, l'Église évangélique du dernier temps, l'École biblique évangélique du dernier temps, et bien que toutes les cours et toute l'équipe par mon organe, je vous félicite. Félicitations et que le Seigneur vous bénisse. Mes remerciements vont à Madame Milan Simon-Volsi, c'est l'épouse de notre doyen. C'est Volsi, c'est le poumon de l'école évangélique théologique. Madame Volsi, je suis au courant de votre énergie mise à l'œuvre, et bien pour que cette école soit possible, et pour que la première promotion sortante soit une réalité aujourd'hui. Au nom du Conseil des décanats, l'Église évangélique du dernier temps et à mon nom personnel, je tiens à vous féliciter. Et prière encore de continuer à meubler votre mémoire, votre esprit, davantage pour que vous soyez utile. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je voudrais m'adresser à Jocelyn Léopard. Je tiens à vous dire, mes frères et mes soeurs, vous qui m'écoutez, c'est une femme extraordinaire. Et c'est son mari. Son mari est là et lui ne parle pas beaucoup, comme on l'avait bien dit, donc le pasteur. Mais lui et sa conjointe ont tout fait pour venir au cours. Ils habitent à Laval, malgré le tempête d'orage, malgré le verglas, malgré le mauvais temps, malgré le travail, ils ont dû faire, sa femme et lui ont dû affronter tous les mauvais temps, pour qu'aujourd'hui, ces deux diplômes soient possibles. Au nom du Conseil de l'Écanat, de l'École biblique et théologienne et droit, et en mon personnel, je vous félicite. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse, et ce soit-il pour votre mari, notre frère, votre bien-aimé. Et que vous mettiez cette connaissance au service des autres pour l'avancement de l'œuvre de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Je veux m'adresser encore à Job Télismar. Job Télismar, mon cher, notre pasteur l'a dit, parfois on ne vous voit même pas en train de prendre des notes, et tandis que vous avez pu emmagasiner toutes les explications, et vous avez une mémoire extraordinaire, et mon frère bien-aimé, et j'ai appris encore, vos notes sont excellentes. Au nom du Conseil de l'Écanat, de l'École publique évangélique, théologique du dernier temps, et en mon nom personnel, mon nom propre, je vous félicite. Et les connaissances que vous avez acquises, je vous demanderai de les mettre au service des autres. Comme le Seigneur l'a bien dit, allez dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et il faut pouvoir enseigner cette parole. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et bonne persévérance dans le Seigneur. Amen. Je voudrais m'adresser
à mon frère Boukar, un frère pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection. C'est notre frère, notre ami. Et il a fait beaucoup d'efforts. Mon frère Boukar, je suis très content pour ce diplôme que vous avez tant rêvé. Et vous avez affronté tous les mauvais temps pour qu'aujourd'hui, eh bien, cette initiative que vous avez prise soit une réalité. Je suis content pour vous et je vous conseille, eh bien, de mettre toutes les connaissances que vous avez acquises au service des autres. Eh bien, comme le Seigneur, comme notre Seigneur l'a bien dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Il y a ici une grande soif de l'Évangile. Et prière, eh bien, de conjuguer tous vos efforts pour qu'il y ait une transmission des connaissances que vous venez d'acquérir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et bonne persévérance, prière de multiplier votre connaissance davantage. Amen. Je veux m'adresser à Martin Gentil. Ce frère-là, comme l'avait bien dit notre pasteur, Assez Souni, lui, il est l'ami du silence. C'est un frère qui va devenir toujours silencieux. Mais le silence, je dirais, est un fruit de l'esprit parce que le Seigneur l'a dit, garde le silence et lui, il combattra. Et pourtant, lui, il a pu, eh bien, passer toutes les matières et avec des notes vraiment correctes et appréciables. Mon frère, je vous dis merci. Et vous avez pu affronter tous les mauvais temps, je suis au courant de tout ce que vous avez fait. Eh bien, ce diplôme aujourd'hui est une réalité. Je vous remercie. Et au nom du conseil de décanat et au nom personnel, et parce que Daniel Jean-Pierre, je tiens à vous dire merci et toutes les connaissances que vous avez acquises, prière de les transmettre à ceux et celles assoiffés de la parole de Dieu. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse et bonne persévérance dans le Seigneur. À vous tous, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom puissant et extraordinaire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, continuons tous à combattre ce bon combat de la foi. Amen. Amen, amen, amen. Bon, je vous appelle à Jacques Abou Iglesias pour nous parler de façon claire. Parce que nous appelons à Jean-Pierre. Pour nous battre, il ne va pas comprendre. Hein? Donc, bien aimé, sacrifier dans Kounia, nous bénissons mon Dieu parce que. Nous avons notre pasteur qui est en Haïti, qui pour moi, c'est le pour nous, c'est le pasteur Herbert. Nous avons fini l'autre mois, avec le monsieur Ville, dans la conférence, l'anglais. Alors, monsieur Pat Kavini, c'est parce que nous avons déjà arrangé ça bien, le monsieur qui est en Haïti, qui est libre. Et puis, nous avons là, dans l'autre mois, mais nous avons là encore. Et donc, monsieur Ville, il est tout, donc, il est pour moi, avec dans l'école. Donc, il y a des livres disponibles dans l'école. Bien entendu, il y a plusieurs sujets. Donc nous avons un livre, on peut pas voir qui peut parler par Pasteur Solibière, c'est 30 dollars. Nous avons un livre Apocalypse. Nous avons fait Youth, si vous écoutez là, c'est qu'à témoigner. Maintenant, on s'en est une équipe plus ponctuelle. Et puis nous arrivons pour qu'on ait fait une telle. J'ai dit avec Pasteur Viti, Apocalypse, nous avons un certificat tout. Et Pasteur Viti Débaille, nous, Pasteur Solibière, nous avons tout dans le monde là qui vient, Adam, tout ça. Alors, bon livre qui soit Apocalypse 10. Frère Job, il est tellement aimé déjà dans les détails. Moi, je suis là. 1, 2, 3, 4, parce que je suis venu à la courrier, courrier, chercher, tu comprends? Et parce que je remets ce système, ça, mais même plus son système panoramique. Et nous avons un livre Apocalypse disponible qui est écrit par Pasteur Métis Germain, c'est 30 dollars. Alors nous, pas bien là le moment présent parce que nous avons tellement invité les étudiants, mais nous sommes capables de même écrire en direct et nous avons un numéro de téléphone du tout parce que le numéro de téléphone de Pasteur Métis public, c'est 514-515-5501. Vous pouvez acheter un livre et vous venez à dire 5-15, 5-14, 5-15, 55-01. Et vous, Pasteur Betty. Pasteur Betty encore écrit un livre que nous avons fait presque 8 mois encore, c'est le livre de Daniel. Vous avez étudié ensemble avec.
dernières enfants disponibles à grand nombre. Et vous m'avez dit, je vous recommande de faire. Donc, c'est toujours encore assez petit. Pasteur Sony, pour téléphone de la Gagny, c'est 54-321-92-07. Gagnez trois livres. Le guide du leader, tome 1, tome 2, tome 3, ça a un livre, ça aussi moi-même qui écrit. Nous pas gagné un copier disponible ici, c'est États-Unis pour nous faire ma gueule en français. Donc, si on vous intéresse, nous sommes en train de venir pour nous faire ensemble, mais directement pour nous, c'est 438-934-1671. 438-934-1671, guide du leader, du gagné 3, tome la donne. Et pasteur Bétique, au troisième livre encore que l'écrit, c'est le ministère de la femme dans l'éducation du gouvernement et en ville, puisque nous venons de la conférence fédérale, etc. Donc, nous avons été pour l'État-Unis, tout le monde en ville, donc le ministère de la femme encore, c'est pasteur Bétique. Pasteur Herbert, il y a deux livres, là, c'est le sang, maintenant, c'est le sang de Jésus, et puis, on la croit, qui va nous donner le cœur de la croix. Oui, nous, en anglais, nous, en français, de façon. Deux livres comme ça, donc sous encore vous intéressez ou capable. Bon, aujourd'hui, l'on invite au monde, Christophe invitation, lève invitation, invitons série de monde. Et puis lève série de monde, ça va venir, pour y aller, il va en tout bonheur à l'autre monde, à monde qui l'a. Donc, tout bonheur que nous allons, nous ne pouvons pas qu'être des fiches d'inscription dans la main, nous allons appeler le 21. Mais puis, non seulement, l'inscription, normalement, on peut aller de 20 à 30 dollars. Mais pour tout le monde qui d'aille, qui t'a mis, même l'on peut pour être temps, parce que l'on contacte nous et tout, parce que nous ne pouvons jamais ignorer, nous ne pouvons pas garder le dimanche, nous ne pouvons pas garder le dimanche. Même nous ne pouvons pas le dimanche, nous ne pouvons pas. Donc à tout le monde qui là-haut, pour mon spécial qui fait, l'inscription, nous avons 10 dollars. Le 30, il sortit le 30 à 10. Et si 21 ça, nous avons même dans la taille épuisée, la prenti non. Prenez au téléphone, nous. Nous ne pouvons pas prendre un petit coup de pied. Depuis le point de vue au téléphone avec 10 dollars, on est dans le téléphone. Vous voyez ça? Mais, vous n'avez pas capable de faire la radiation là, mais on l'a pour moi et dans les pays. Donc, son coup est super intensif. Et nous enseignons des sujets très nombreux. Et parfois, que nous pouvons enregistrer ou pas de la faire place, nous sommes tout. Parce qu'on a des écoles de l'église évangélique de le temps. Bon, bon, bon. Mon nom fait une réponse des questions, ni que tout pas est dans le monde. Il a caché. Il y a assez sans l'air quand même. Ouais. Donc, que mon Dieu me dit nous. Donc, mon qui est intéressé, après ça, on va vous voir, si pas grave, c'est pas un point, sinon, ni au téléphone, nous, et puis, dis-nous là, et pour la bataille, pour un aller venir voir. Même ça, nous avons ce fait là, on va faire. Amen. Chose à une fin, nous arrivons à la fin de la cérémonie. Je vous demanderai de vous lever parce que nous allons inviter Pasteur Raymond Jean-Baptiste à clôturer pour nous par la prière et ensuite Pasteur Lucien Christ pour nous suivre au mot de la réunion.
bénédiction pour ceux-là qui ne te connaissent pas, et même de pouvoir fortifier ceux-là qui te connaissent, afin d'être prêts pour le grand jour à venir. Nous remettons entre tes mains cette équipe, ainsi que cette église, cette institution, et suivre ta gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La bénédiction peut être prononcée, mais il faut retirer les collations ici, les collards, les soldats, vous les prenez ici, ensuite vous montez à l'étage pour les autres ingrédients de la collation. Et la bénédiction, mon pasteur. On est perdu toute relation des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que la grâce de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la douce et intime communication Saint-Esprit soit et repose sur chacun de vous, nous appuyons et pour tout éternel. Il y a un registre de témoins, comme a dit ici, là, au milieu de la salle. Donc, si vous voulez mettre votre nom aussi là-dessus, sur ce registre, faites-le à la gloire de Dieu. Merci. Attention, s'il te plaît, mon dernier annonce, là aussi, il y a un concours musique. Le concours musique de Dieu, bien sûr, c'est le frère de Sauveur, et la consolante. Donc, il y a 6 qui peuvent offrir là. L'offre tambour, trompette, batterie, piano, accordéon. Et donc, plus en 50 ans, là que moi, et puis, l'inscription, c'est 15 là. Il commence à partir de l'enfant de 4 ans et mon temps. Vous êtes capable de monter et vous encore. Puis pour un jour, c'est ça qui a
Ah, oui, nous sommes en train de faire ça.